Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji wa vipindi vyetu ambavyo tunawatolea kila mara. Karibu kwa habari zetu za leo Mkambi TV1 ambazo tunawaandalia kila mara na kila siku huwa mnazifuata. Kwa taarifa ambayo tunayo kwamba kamanda mpya wa jeshi linalotumikia hapa Minembwe 12th Brigade General Ehonza Andreu Oketi ameongoza parade kubwa muda wa saa 3 inayounganisha wanajeshi wote wa 12th Brigade na Task Force hapa kwenye makao makuu ya jeshi hapa Madegu Center. Wakati wa parade hii, General Ehonza aligusia kuhusu mambo mbalimbali, mahali ambapo amesisitizia wanajeshi kuwa na utashi wa kutumika kazi yao, kuheshimu haki ya binadamu wakati na nyuma ya operation, kuchunga vizuri raia na mali yao kama inavyokuwa kazi yao ya kila mara, kujua umuhimu wa raia, kujiepusha na maneno ya chuki na ukabila zinazorushiwa kabila la Kinyamurenge kuwaita Wanyarwanda. Kamanda huyu alisisitiza kwa mwenendo mbaya wanajeshi ambao wanaiba mali ya raia hata na kuwanyanyasa. Hatimaye amefanya mkutano wa masultani wa Minembwe ambao wamegusia kuhusu namna ya kurudisha amani. Masultani hao wamekubali kuweza kusindikiza jeshi la taifa ajili ya kurudisha amani na usalama katika eneo hili la Minembwe kati ya jamaa zote zinazoishi eneo hili. Kuhusu taarifa ambayo inazunguka kwenye mitandao ya kijamii inasema kwamba kamanda huyu amepatia saa 72 kundi la Twirwaneho kwa uga mtupu kama ilivyotuhakikishia duru za kijeshi. General Ehonza Andre Okiti amesema hayo wakati wa parade kubwa ambayo imeandaa hii siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka huu, wakati ambapo mbele yake kulikuwa vikosi vya jeshi la taifa 12th Brigade pamoja na wanajeshi kutoka nchi ya Burundi ambao wanafanya operation pamoja na jeshi la taifa katika milima mirefu ya tarafa la Fizi. Msaji, hii ndio taarifa ambayo tulikuwa nayo. Faustine, nimekutolea taarifa hii wakati ambapo nyote mlikuwa mkitega sikio. C'est sous l'esprit de concrétiser son devoir patriotique de ramener la paix et la sécurité dans le haut plateau. Le nouveau commandant de la 12e brigade de réaction rapide et ex-opérationnel Minembwe, le général de brigade Ehonza André Oketi, a tenu une parade générale pendant 3 heures au quartier général de la 12e brigade et a réuni la 12e brigade ainsi que les TAC Force, où ce dernier a sévèrement martelé sur certains points saillants au regard des différentes troupes censées mener les opérations, notamment d'avoir toujours la volonté de combattre, de mettre en pratique l'usage du droit international humanitaire avant, pendant et après les opérations, de prioriser les missions tarigaliennes spécifiques dont l'unité est responsable vis-à-vis de l'échelon supérieur et du souverain primaire que le peuple congolais, de comprendre que la population civile reste le centre de gravité des opérations, d'éviter l'emploi des langages séparatistes et ségrégationnistes contre la communauté Banyamulenge, notamment les injuriers rwandais et tant d'autres injures qui ne parviennent pas à être conservées. Le commandant a fermement condamner l'incivisme de certains brebis galaises et a causé des forfaits personnels que l'armée ignore et considère d'isolés, et promet qu'il fera de tout son mieux pour que le mariage civilo-militaire soit régéni dans le but de mettre hors état de nuire le malfrat qui terrorise la zone depuis une longue date. En outre, nous signalons qu'après la parade, le général Ehonza a réussi la notabilité Banyamulenge envie d'entretenir concernant le retour de la paix et la réinstauration de l'autorité de l'État congolais. Par ailleurs, les notables Banyamulenge disent qu'ils accompagneront la paix et y accompagneront l'armée loyaliste aux démarches de la paix et demandent le retour des déplacés dans les milieux respectifs, ainsi que l'assainissement des routes et tronçons ravitaillés à Minembwe en vivres.